fais encore une vidéo 2 en 1. Désolée, j'aimerais bien pouvoir vous faire une vidéo par jour, mais il se passe tellement de choses. Les journées de marche sont tellement longues que le soir, je suis juste trop fatiguée pour vous filmer. Alors, je vais reprendre directement à Portet d'Aspet. Désolée, c'est la fatigue. J'ai marché 11 heures aujourd'hui, je suis naze. Donc, à Portet d'Aspet, rappelez-vous, j'avais trouvé un logement. Et figurez-vous que j'ai été rejointe le soir par mon amie pèlerine que j'avais rencontrée à Montjoie en Couserans. On avait fait une fête et tout, c'était pour elle. Et donc, par le plus grand des hasards, j'étais persuadée qu'elle marchait un jour devant. Et on s'est retrouvés au même endroit et ça fait 2 jours donc qu'on marche ensemble. C'est trop bien. Alors hier, je pensais que c'était la journée la plus difficile de la voie du Piémont parce qu'on a fait la montée vers le col du Portet d'Aspet que vous avez vu dans les images précédentes. Donc les images avant, c'est la journée d'hier et les images que vous aurez après, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc hier, on a fait la montée vers le col de Portet d'Aspet, qui était un peu difficile, mais enfin, la montée, ça allait. Par contre, la descente. En fait, une fois arrivé au-dessus, on s'est retrouvé sur une route en corniche, à flanc de montagne, étroite de 20 cm. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que depuis Carcassonne, je ne marche plus avec des chaussures de randonnée, mais avec des sandales de marche. Et parce que ce sont mes chaussures de randonnée, c'est à cause de ces chaussures, je pense que j'ai eu toutes mes douleurs. Et depuis que je suis en sandales, il y a quasiment tout qui est parti et ça va beaucoup mieux. Mes sandales sont super pour le goudron, les pistes, les beaux sentiers en forêt, mais elles ne sont absolument pas faites pour la montagne. Et quand je me suis rendu compte qu'elle n'était pas adaptée pour le chemin que je devais faire, j'avais pas de possibilité de m'arrêter parce que le chemin marchait à flanc de montagne en corniche, donc impossible de s'arrêter. C'était la galère totale, vraiment. Je me suis sentie stupide. Et fort heureusement, mon amie était là, elle m'a tendu la main, elle m'a aidée, elle m'a portée à bout de bras. Je suis extrêmement reconnaissante. Vraiment. La descente après était difficile, vraiment. C'était, ça descendait hyper fort. Et à un moment donné, on a enfin pu s'arrêter. J'ai pu changer de chaussures et mettre mes chaussures normales et pas les sandales, donc. Et effectivement, ça allait beaucoup mieux après. Et en fait, à cet endroit où on s'est arrêté, on a été rejoint par un 3e pèlerin. Malheureusement, c'était son dernier jour, donc on a juste pu profiter de sa compagnie hier. Et par contre, le chemin magnifique, alors la route sur la corniche, là, on avait une de ces vues sur la montagne, c'était magnifique. La descente était dans une forêt, on se serait cru dans le Seigneur des Anneaux. Franchement, quand on s'asseyait sur des souches d'arbres, on avait l'impression qu'il y avait des hobbits qui étaient cachés en dessous. C'était génial, c'était magnifique. On a bavardé toute la journée, c'était trop bien. Et en fait, sur la fin du chemin, donc on a quitté notre copain pèlerin qui devait s'arrêter un village avant nous pour pouvoir remonter chez lui. Et en fait, le gîte où il devait aller a annulé à la dernière minute sa venue. Et donc pour finir, il a été amené à dormir dans le même gîte que nous, à Juzet-d'Izaut. Donc voilà, on a passé une super soirée tous les 3, on est allé au restaurant, on a hyper bien mangé, on a passé une super soirée, notre hôte vraiment très sympa, vraiment. Et voilà, donc ça c'était pour la journée d'hier, et donc pour la journée d'aujourd'hui, donc vous allez voir les photos après. Rassurez-vous, il n'y a pas énormément de photos, on a eu... donc hier il faisait extrêmement chaud, vraiment, il faisait hyper chaud, caniculaire. Et ce matin, quand on est parti, il pleuvait, on a eu du brouillard toute la journée. C'était hyper agréable pour marcher, c'était hyper beau, mais par contre, ça donne rien en photo. Donc il y aura très peu de photos, désolée. Mais moi, j'étais au paradis, vraiment, c'était juste magnifique, enfin, vous verrez. La journée d'aujourd'hui, finalement, elle a été beaucoup plus dure que celle d'hier. On a monté. Alors, à un moment donné, on arrive... Donc, ce matin, on est parti de Juzet-d'Izaut. On est arrivé à un moment donné dans un petit village qui s'appelle Saint-Pédardet. Très très joli. Et on avait l'intention de dormir. D'ailleurs, on va dormir, vous verrez aussi les photos, dans un refuge. Et donc, on s'est arrêté devant une pizzeria. Et on espérait acheter une pizza et peut-être l'emporter et la manger au refuge. Sauf qu'il était un peu trop tôt, donc il n'y avait plus de pizza. Mais alors, les propriétaires, hyper sympas, nous ont servi, accrochez-vous, des carbonades flamandes, délicieuses. Et c'est une spécialiste qui vous le dit. Trop trop bon, ils nous ont offert à boire, ils nous ont offert du gâteau, ils étaient trop gentils, on a discuté avec eux, c'était... Ça c'est la magie du chemin, voilà, c'est la magie du chemin, c'était génial. Et donc là ici, par contre, alors après Saint-Pédardet, ça monte, j'en pouvais plus. On a croisé des gens, avant de commencer à monter, des gens du coin et on leur a demandé comment c'était. Ils nous ont dit oui, voilà, c'est pas très difficile, une petite montée, oh vous verrez, vous y serez dans 1 heure. Je pense que les gens, ils sont habitués à monter 2000 mètres de dénivelé tous les jours au petit déjeuner, c'est pas possible, j'en pouvais plus, je pleurais dans la montée, c'était trop dur. D'après mon téléphone, j'ai battu un record de montée. Mon record jusque-là était de 100 étages, là on est monté à 120. D'après le téléphone. Donc voilà, je sais pas combien ça fait en termes de dénivelé, mais c'était vraiment trop. J'en pouvais plus, j'ai trop mal aux pieds. Bon, on va voir demain comment ça va réagir. Mais alors, quelle joie d'arriver dans ce refuge. En plus, il y a des gars qui viennent de partir, ils avaient allumé un feu, trop bien, ça fait de la lumière, de la chaleur, c'est très bien. Par contre, paraît-il qu'il y aurait un loir dans le gîte, donc peut-être que la nuit sera un peu agitée, mais ça je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Voilà, et je vous dis donc à demain, ou à bientôt plutôt, pour de nouvelles aventures.